Aujourd'hui parce que c'est un jour spécial. Je suis avec quelqu'un qui, on peut dire, qui est l'un des piliers, c'est-à-dire qu'il fait partie de ceux-là même qui ont donné une identité à la musique qu'on appelle le coupé décalé. Il a aussi arrangé des vrais sons, Zouglou et tout, qui est très talentueux. C'est un monsieur du showbiz en Côte d'Ivoire, c'est un monsieur de la musique ivoirienne. Je vous présente Monsieur Max Hero, héros champion tout terrain, le lion des arrangeurs. Comment tu vas, mon frère? Max, c'est Serge Jaillet. C'est comment? On est là, tranquille. On est là. Et Abidjan te plaît? Abidjan me plaît même bien. Voilà. Abidjan m'a manqué, mais voilà, ouais, je suis là. Ah, monsieur, il y a trop duré, il reste trop duré au lion. Trop duré, je te plains. Hein? Alors, Max, dis-moi, tu es arrivé déjà à la. Comment est-ce que tu vois déjà le mouvement? Quelles sont tes premières impressions? Vu que tu as duré avant de venir et tout, tu sens que la donne a un peu changé. Côté musical? Non, côté même du milieu de la nuit, milieu du showbiz, comment ça fonctionnait avant, ça a un peu changé, n'est-ce pas? Oui, ça a un peu changé parce que déjà la rue Princesse, à mon avis, quand je suis arrivé, et je me suis rendu compte que les maquis n'étaient plus, c'est maintenant... Attends, je t'arrange ton micro là, parce que je ne trouve pas que... Hein, ça c'est pas comme ça. Ça, le dernier de mon travail, voilà. Donc il n'y avait plus de maquis. Quand moi je partais, il y avait, bon, je ne vais pas donner le nom ici, mm-hmm. mais pour dire qu'il y avait plusieurs maquis qui se trouvaient à la rue Princesse. Mm-hmm. Et bon, quand je suis arrivé maintenant, c'est les bars, et voilà. Mm-hmm. Je trouve que ça a un peu changé. Maintenant, côté musical, c'est, ça va. D'accord. On peut donner un peu de feu, mais voilà, déjà ce qui est là, c'est bon. C'est bon, c'est pas mal. Ouais. Ok, mesdames et messieurs, avec Max Hero, toujours héros champion, tout est le lion des arrangeurs. Alors, Max, dis-moi, bon, là, tu sais, aujourd'hui, le coupé décalé, bientôt ça va faire 20 ans hein, dans la musique. Ah ouais. Voilà, donc je sais qu'il y a des nouvelles générations qui ont entendu parler de toi, qui savent pas c'est qui Max Hero. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? C'est qui Max Hero? Ouais, Max Hero, c'est déjà. Un auteur, compositeur, producteur, réalisateur, parce qu'on fait tout ça parce que il faut dire que la musique est un peu vaste, donc je me mets un peu partout pour pouvoir satisfaire tout le monde. Donc je suis auteur, compositeur, comme on le dit, beatmaker, producteur par moment, et puis bon, voilà quoi. D'accord. Mais Max Hero est rentré comment dans le milieu de la musique? Comment est-ce que Max Hero, c'est quoi tes débuts dans la musique? En tant que auteur, compositeur, tu as fait l'INSA comme les autres, ou tu es un autodidacte, mais c'est quoi le truc en fait, à ton niveau? Bon, j'ai pas fait l'INSA, il faut dire que la musique, chez moi, dans ma famille, nous sommes 5 garçons, 2 filles, et tout le monde fait de la musique. D'accord. Donc moi, j'étais batteur, souvent je jouais au clavier, et j'ai des grands frères qui sont aussi guitaristes, qui jouent à la batterie. En tout cas, chacun essayait d'être un peu polyvalent. Et à un moment donné, il y a l'un des frères qui est professeur de musique qui avait un studio d'enregistrement. D'accord. Et moi, je voulais chanter. J'étais batteur, j'étais pianiste, tout ça, mais je voulais chanter. Donc il a fallu que je m'oriente vers lui pour lui dire de m'arranger des chansons. Et chaque fois quand on est en séance, je lui dis non, là, il faut placer telle note, machin, tout ça. Au fait, c'est comme si je voulais prendre le dessus. Et il m'a dit, mais il y a quoi? Mais
si tu sais comment on fait ça, faut pas soit tu vas le faire. Mm-hmm. Mais là, moi, mon problème, c'est que je savais pas manipuler les machines, mm-hmm. mais je pouvais m'asseoir devant mon clavier ou bien placer une note de musique. C'est comme ça que j'ai accepté. Il m'a dit, bon, viens, je te forme, je te montre comment est-ce qu'on utilise la table de mixage, tout ça, et l'ordinateur, et puis bon, voilà. Donc, au départ, j'étais parti pour savoir comment on arrange, bon, savoir aussi manipuler les appareils et après faire mes chansons. D'accord. Mais j'ai pris goût. Quand je suis rentré en studio, bon, voilà, du coup, ils m'ont confié des maquettes, quelques produits finis, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai pris goût, j'ai oublié mon projet et puis je suis resté dedans. D'accord. Max va commencer par arranger quel genre musical d'abord. Mais j'étais un peu polyvalent parce que j'ai arrangé plein de zouglou, mapuka, j'ai fait plein de maquettes aussi. Mm-hmm. Mapuka, zouglou, tout ce qui était à la mode, même reggae, tout ça. Mm-hmm. Voilà, j'étais un peu polyvalent en fait. D'accord. Ouais. D'accord. Alors Max, dis-moi, les gens discutent, ça discute, on dit, mais Massuro, son premier son c'est Volcano, son premier son c'est Rodrigue, son premier son c'est pas Jean, on a coupé des calés en fait. Ouais. Si tu te rappelles de cela, c'est quoi le premier son coupé des calés que tu as arraché, c'est lequel? Didier Volcano. Didier Volcano, ouais, ça c'était mon premier. Oli, 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 maman. Ah ouais, oh. Ah, c'est mon premier coupé des calés. Et c'est après ça que a suivi les Christina Didier, Rodrigue, Serpent Noir, avec bon, tous ceux qui ont suivi. Quoi. Ouais. Donc ça veut dire que quand tu as fait les sons de Volcano, ça a tellement eu du succès que tout le monde a dit, ah, c'est quel gars ça, avant le voir tous. Ouais. T'as tout le monde, on a le coupé décalé, c'est ça. Ouais. Tout le monde va vers celui qui fait fort. Ouais, c'est pas faux. D'accord. Ouais. D'accord. Mais mesdames et messieurs, ce monsieur-là, il arrange des zoubous très mal aussi, hein. Bon, très mal, encore une fois, ça arrive très bien. Parce qu'il ne faut pas confondre. Voilà. Il y a un son à l'époque, à Milan Santini, que moi j'ai aimé. C'est la vie, la vie. La vie, ouais. Oh, c'est la vie, la vie. Ce monsieur qui a arrangé le son, ouais. Il est trop fort. Massiro. Alors, Massiro, dis-moi. Après ça, tu as commencé à faire les sons coupés décalés, d'autres artistes au goût et autres, sans les terroirs et tout, tout, tout. Mais comment est-ce que tu as réussi à t'organiser par rapport à tout ça? Parce que les gens affluaient de partout, les artistes affluaient de partout. Comment est-ce que tu arrives à aménager ton programme pour être bien dans le temps, pour pouvoir faire? Parce que moi, j'ai jamais entendu que, ah, par rapport à certains enjeux, j'ai jamais entendu que, ah, moi, c'est bon, il a ma chanson, ça fait combien de mois, il n'a pas encore donné. Moi, j'ai pas encore entendu. C'est ce que tu as fait, on ne sait pas. Moi, j'ai pas encore entendu. Donc, comment tu es arrivé à gérer ton programme par rapport à tout ça? C'est une très belle question. Au fait, moi j'avais une secrétaire, celle qui aménageait mon planning, parce que au fait, le boulot que nous faisions, c'est comme tout boulot qu'on croise dans la vie. Donc, si je dois réfléchir comment trouver des notes, des accords ou arranger des chansons, en même temps faire un planning, c'est pas facile. Ouais. Donc, ce que je fais, je cherche, comment on appelle, une secrétaire, et puis voilà, tout va bien. Et donc, c'est ma secrétaire qui me faisait un planning. Moi, le matin, je viens au studio, elle me dit, aujourd'hui, tu travailles avec, par exemple, Ramsey. Mm-hmm. Et voilà, c'est de telle heure à telle heure. Moi, je suis là, je suis seulement. Voilà. Mmh. Ça fait que, voilà, c'est comme si j'étais embauché par quelqu'un. Moi, je viens, je fais mon taf et après, je pars. Mmh. Donc, c'est comme ça que je m'organisais pour pouvoir vraiment respecter. C'est vrai qu'il y a des moments où on n'arrive pas à respecter des rendez-vous. Mmh. C'est normal parce que souvent, l'inspiration, on s'est dit, on commence aujourd'hui à 10h pour finir à 18h, mais l'inspiration peut nous amener peut-être jusqu'à 23h minuit. Mm-hmm. Mais après, on est fatigué. Donc, le lendemain, on peut pas commencer encore une nouvelle séance à 10h. Mm-hmm. Du coup, tout est décalé. Bon, et souvent, on a un peu des retards, mais bon, voilà, c'est comme ça que je m'organisais. Donc, ça veut dire que tu as eu des soucis avec certains artistes. C'est ce qui plaît peut-être. Bon, moi, j'ai pas entendu, mais moi, je demande. Oui, souvent, mais pas. C'est pas. Genre, j'ai le son pendant 2 mois, 3 mois, donc c'est question de jour. Mm-hmm. Si je dois livrer un son aujourd'hui et jeudi, mm-hmm. et que ça traîne peut-être au plus tard samedi, le mec il a son truc, mais ça va pas mettre un mois. Ah, d'accord. Alors dis-moi, comment est-ce que aujourd'hui, quels sont tes rapports? Parce que là, tu as beaucoup d'Iran en Europe et tout.
Mais présentement, quels sont les rapports que tu as avec les artistes que tu as arrangés dans le temps, la plupart des artistes que tu as arrangés dans le temps. Il y a un homme qui n'avait pas l'argent que tu as demandé, qui a pleuré. Moi, je suis artiste, je connais. Souvent, l'artiste pleure, il y a un peu, c'est chaud. Quand tu dis 300 000, pardon, il y a 15 000, pardon, comme ça. Tu t'assois, tu dis, viens de mon gars. On sait jamais. Dieu a fait le son et le succès. C'est vrai que tu as pris l'argent, mais tu n'as pas pris ce que tu devais prendre. C'est ça. Est-ce qu'avec ces artistes-là, est-ce qu'il y a toujours de bons rapports? Est-ce qu'il y en a qui ne te voient pas pour verser le sang sur toi, comme on dit? Bon, il y a plein comme ça qui me voient, qui me dépassent dans les bars, dans les soirées. Ah bon. Comme on dit, voilà, Max Hero, ils s'en foutent, ils passent, ils s'en vont. Mais au fait, quand moi je fais la musique, je ne fais pas ça forcément pour la reconnaissance. Voilà, pour la reconnaissance, je fais la musique parce que c'est une passion, j'aime. Donc, peu importe le comportement que les gens auront envers moi, moi, je serai là en train de travailler. Sinon, je suis venu, il y a Dinosaur Premier qui m'a reçu. Dinosaur Premier. Voilà, qui m'a reçu. Franchement, j'ai été vraiment très content de sa réception. Mm-hmm. Après, j'ai vu au moins deux ou trois personnes comme ça, mais c'était vite fait. Bonjour, bonsoir, et puis bon, voilà quoi. D'accord, Maxime. Ok, il n'y a pas de souci, Maxime. En tout cas, le Fafa, hein, c'est comme ça, on pose des vraies questions, des questions pertinentes, parce que c'est pas comme dans les autres émissions. Voilà. Alors, Maxime, dis-moi, aujourd'hui, là, quel regard est-ce que tu portes sur la musique ivoirienne dans son ensemble, étant toi-même un élément essentiel de cette musique-là? Aujourd'hui, quel regard tu portes, toi qui es allé de l'autre côté, qui a fait des années, et aujourd'hui tu reviens de temps en temps, quand tu vois un peu, quand tu sais un peu de faire la comparaison, comment est-ce que toi tu vois ça aujourd'hui, surtout ce mouvement, la musique en Côte d'Ivoire? Si ça évolue ou pas? Ouais, voilà. Comment, voilà, est-ce que ça a évolué? Est-ce que les gens font les choses bien? Est-ce que si, est-ce que ça? C'est chaud, hein. Ah oui. J'aime pas trop critiquer, mm-hmm. parce que peut-être que ça va m'attirer des ennemis, mais si franchement je dois être. Si je dois avouer la vérité, je peux dire des noms. Vas-y, mets-toi, c'est le Fafa, mets-toi. Je suis arrivé, j'ai écouté un son de Safarel, franchement, qui m'a plu. Mm-hmm. Voilà. Et c'est lui que j'ai trouvé, Ariel Chenet, comment il s'appelle là? Boulevard DJ, là. Kérosène. Voilà. Et un autre Zouglou qui joue. Bon, en fin d'année, franchement, si c'était auparavant, mm-hmm. mais il y avait plus de 6 artistes qui moussaient. C'était même 15 même. Même 15 même qui étaient en train de. Voilà. Donc aujourd'hui, bon, étant là-bas, c'est vrai que je suis là-bas, mais j'ai l'œil en Côte d'Ivoire, j'écoute l'oreille, tout ça. C'est vrai que souvent, on a tendance à ne pas rajouter certaines choses pour pouvoir innover. Ce qui fait que les gens se lassent un peu de la même chose, tu vois. D'accord. Voilà, donc ces titres que j'ai cités, ce sont des titres pour moi qui sont vraiment travaillés, des gens qui ont réfléchi, ils ont innové. Franchement, quand les gens acceptent, c'est que pour moi, c'est que c'est bon. D'accord. Voilà, donc tout ce que je peux demander, c'est d'essayer de rajouter un peu de graines de sel. Il faut oser, c'est ça qu'on appelle l'inspiration. Voilà, on ne sait pas d'où ça vient, il faut oser. Essayer, on ne sait jamais si ça prend, voilà, c'est à la mode, quoi. Mmh, voilà. D'accord. Donc, je trouve que ce côté de... C'est-à-dire, en fait, la plupart des artistes, comme ceux que tu as cités, la plupart ne travaillent pas. C'est-à-dire, ils veulent forcément faire comme la même chose, voilà. Faire la même chose à tout moment. Le son précédent, récemment, et tout ça. Voilà, ce qui fait qu'après, c'est comme s'il n'y a pas de changement et... Mmh. Et puis ça rend le besoin. Voilà, c'est ça. Il faut innover, quoi. D'accord, Maxime. Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, ceux qui regardent, ils ont bien noté. S'il y a des artistes, ils ont bien noté. Il faut toujours prendre les conseils. Ce n'est pas bon. On finit jamais d'apprendre. En tout cas. Voilà. Alors, Maxime, dis-moi, j'ai une question pour toi. D'accord. Voilà, c'est le Fafa, on pose les questions comme il faut. Charlie Parker, depuis que tu es arrivé, est-ce que Charlie Parker, toi, vous avez posé et tout? Non, nous ne sommes pas encore vus parce que j'ai pas encore pris son numéro. Mais sinon, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour moi. C'est tout à fait normal que quand je suis à Abidjan, je l'appelle.
D'accord. Donc, il y a Dinozo qui m'a dit qu'il allait trouver son numéro. Dès qu'il l'a, moi je vais l'appeler. Moi, je vais te le donner après. Voilà. Voilà. Je vais l'appeler. Mais moi, ça voilà. Mais est-ce que. C'est vrai que tu n'as plus son numéro, mais est-ce que vous avez réglé votre palabre? Non, on n'a pas de palabre. T'es sûr que vous n'êtes pas? Non, il n'y a pas de palabre. C'est parce que j'ai appris. Hein. Non, les gens disent ce qu'ils ont appris. J'ai appris parce que, bon, j'ai appris que c'est grâce à Charlie Park que tu allais en Europe pour la première fois. Voilà, je viens de le dire. Voilà, oui, tu l'as dit. Voilà, par le biais d'un certain monsieur que moi je salue. Charles Sogan, je ne sais pas si c'est la vérité. Hein. Non, pas Charles Sogan. D'accord, c'était pas. C'est pas. Comment il s'appelle, Moussa Diaby. Ah, d'accord, monsieur Moussa Diaby, oui. Voilà, mon vieux père Moussa Diaby, que tu as salué au passage. Bon, bref, voilà, c'est pour ça que ça ne changeait pas que tu arrivais sur le bain, bon, ouais. tu partais, tu venais. Bon, au dernier moment, on dit, tu ne l'as pas dit, et puis tu es resté là-bas, tout ça. Là. Ça l'a énervé, vous avez fait pas la beauté. Non, tout ça. Non. Faut expliquer la vérité. Parce que ceux qui sont dans les moments, ils savent, c'est quoi. Faut expliquer. Je t'explique tout. Je suis arrivé en Suisse. Et après, pour moi, c'était d'arriver en France pour aller m'inscrire à la SACEM. Mm-hmm. Donc, je m'arrange à arriver en France. Arrivé là-bas, je tombe amoureux. D'accord. Et je décide de rester comme ça. J'ai choisi de rester comme ça. Et une année plus tard, je reviens en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé directement, je suis allé dans le maquis à Charlie Parker et Jagen. D'accord. Je suis venu voir les deux. Mm-hmm. Pour dire, excusez-moi, je devrais revenir, mais bon, voilà, les choses ont déconné, donc du coup, voilà. Et puis, je me suis excusé pour ça, et c'est fini. Ah, et chaque fois que je viens, c'est là-bas que je viens. Ah, après ça, même, on a eu à bosser ensemble, on a ramené des artistes, on a travaillé. Bon, les gens, ils savent peut-être l'intro, le début. Oui, mais c'est pas facile, ça, c'est pour éclaircir les choses. Parce que on va pas se rendre dans le monde, il y a un monde de bâtard. Excusez-moi, tu viens, mesdames et messieurs, c'est un gars là. On peut m'échapper pas qu'il a fait partie, il a fui. Bah on dit tu as fui. On dit tu vas se refuir. On le cherche pour notre pays, il a fui. Ouais, c'est ce que les gens entendent. Donc, par exemple, on éclaircit ça. Parce que tu es là, tu vas te demander. Parfois, c'est comme ça. J'ai pas fui. Mais comment se fait-il que quelqu'un, tu dis qu'il a fait beaucoup pour toi, tu n'as pas son numéro. Donc, tu es là, ça fait un peu plus d'être sûr. Parce que j'ai changé de téléphone. D'accord. Et après, on perd aussi souvent les numéros parce qu'on a rajouté d'autres, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai perdu son numéro. Mais en tout cas, c'est de toi à moi. Ouais. Si tu veux le numéro, je ne sais pas que tu l'auras. Si. C'est comme si tu veux le numéro des rangs. Si tu l'auras forcément quelque part. Si, mais il faut tomber sur quelqu'un qui a le numéro. Tu vois, c'est ça le problème. Mais c'est beau. Moi, je t'ai vu en boîte. C'est pour ça qu'il y a ton numéro. Ouais. J'ai vu en boîte, sinon, ça allait être chaud. J'allais galérer un peu. C'est bon. Donc, on s'est vu en boîte rapidement. Bon, j'ai pris ton numéro, tout ouais, ça. Ouais. Et Dinozo, au fait, pour je parle de Dinozo un peu parce qu'il est un peu comme un frère pour moi. À part la musique, on se rend visite, machin, tout ça. Donc, et lui, il a le pouvoir. Donc, il est mieux placé pour me donner des informations. Mm-hmm. Et c'est comme ça que lui-même, pour la voix, Dinozo, pour la voix, c'était compliqué, j'étais obligé de passer par mon neveu. Mon neveu. Ah, comment tu vas faire tes repères? Bon, mais voilà. T'as tout duré. T'as duré de même, c'est même pas mon passe-parole en deux fois. C'est compliqué. Hein, Massiro. Mais je suis là maintenant. Ouais, tu es là maintenant. Non, en tout cas, tu es là parce qu'il faut que tu reprennes la place. Parce que Massiro, tout le monde sait ce que Massiro a fait dans ce pays. Massiro doit reprendre ses droits, montrer que le lion, même s'il a vaincu, ne peut jamais être un chat. Voilà, c'est ça. Mesdames et messieurs, on est toujours avec Massiro. Plage musicale, on revient. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour, toujours avec Massiro, le lion des arrangeurs, toujours. Ne criez pas vite la victoire. Vraiment, toutes les choses. Alors, là, c'est vraiment. Donc, j'espère que la boule, que tu es tombé en bruit d'elle, vous êtes tous ensemble. Oui, c'est ma femme, je suis marié toujours. Ah, bon, Dieu merci. Il porte sa bague, même il est en Abidjan. Il va m'inciter. Hein? Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, Massiro, dis-moi, pour quelqu'un qui a connu le succès que tu as connu dans le temps, avec les demandes un peu partout et tout ça, qu'est-ce que ça fait de s'installer en Europe? Parce qu'on sait que quand tu t'installes en Europe, tu repars tout à zéro. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu, on va dire cette reconversion, mais comment est-ce que tu as vécu ce retour en arrière? Ça ne peut pas se dire à zéro. Comment est-ce que tu as vécu ça? Comment est-ce que tu as vécu tes premiers mois? Comment est-ce que ça s'est passé? Tu as vécu ça comment? J'ai bien vécu ça parce que en fait, j'étais très content d'être en France, où se trouvent tous les
les appareils de musique. Mm-hmm. Donc je passais plus mon temps à aller dans les magasins, où les gens vendent des appareils de musique, essayer d'apprendre plus. Mm-hmm. Parce que c'est des choses que je peux dire, on n'a pas chez nous. Mm-hmm. Voilà, pour avoir un compresseur, faut voyager. Mm-hmm. Alors moi, je suis dans un magasin où j'ai vraiment tout. Donc les premiers mois, tout s'est bien passé. Déjà, je suis parti, il y avait l'argent sur moi. Ah, bien sûr. Et puis, il y avait l'argent sur moi. Et puis, en plus, je partais. Bien vrai que je devrais m'inscrire à la SACEM, mais j'allais pour acheter mon studio pour revenir. Donc, l'argent était là, je ne vais plus. Bon, qu'est-ce que je fais? C'est de payer, comment on appelle, mes cours d'ingénieur du son. Parce qu'avant, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je n'étais pas ingénieur du son. Mm-hmm. Moi, j'étais plus arrangeur. D'accord. Si vous avez remarqué, dans une chanson de Boumastic, j'ai dit, ne comparez pas le technicien du son là, et l'arrangeur. Mm-hmm. Voilà, parce qu'il y avait des arrangeurs qui me lançaient des pics, mm-hmm. tout ça. Donc, je reconnais que je ne suis pas technicien du son, mm-hmm. mais je suis arrangeur. Voilà, donc chacun avait son truc. Et quand je suis allé, comme la musique, elle est vraiment vaste, il faut, en tant que beatmaker, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Et voilà, c'est comme ça que j'ai payé des cours pour pouvoir perfectionner mon art. Donc, je suis rentré en tant qu'ingénieur du son. Et puis, bon, voilà, ça s'est bien passé. J'ai appris comment il fallait mixer, parce que nous, la façon dont nous on mixe ici en Afrique et la façon dont les blancs ils mixent les sons des blancs, c'est-à-dire côté international, mm-hmm. c'est pas pareil. Donc, moi je me disais que en tant que jeune Africain qui est en Europe, on sait jamais, peut-être un jour on pourra travailler avec d'autres artistes européens, donc il va falloir être à un niveau raisonnable pour pouvoir le faire. C'est ça. C'est comme ça que bon voilà, je suis allé à l'école pour voir mieux gérer la chose. Donc toi tu n'as pas vécu les galères que certains vivent. Dieu merci, j'ai jamais connu ça. Mais tu es obligé de commencer à grossir. C'est l'année, ça maigrit. Hein. Non, parce que moi j'ai commencé à grossir. Quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tout allait bien, mm-hmm. je suis revenu dans mon pays. Et après, ensuite, je suis allé, comment on appelle, quand je suis retourné, c'est là que j'ai commencé à grossir. Ah, c'était un peu chaud, mais c'est quand même... Non, pas parce que c'était chaud, parce que le système européen te demande de travailler. Il faut cotiser, voilà. Il faut payer les impôts. Il faut payer les impôts, j'ai commencé à avoir des enfants, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. D'accord. En France, dans le milieu black, c'est-à-dire que les artistes, quand ils viennent faire la musique au studio, ils viennent le faire parce que voilà, ils ont un bout de temps. Mm-hmm. Ils ne comptent pas là-dessus pour dire que non, je fais un son, demain ça va me donner l'argent pour bouffer. Mm-hmm. Donc ils ne sont pas obligés d'aller au studio. Donc si tu es t'asseoir dans un studio pour dire non, j'attends que mes frères viennent travailler, mais tu vis comment après? Voilà. C'est comme ça que nous on se met à suivre des formations et après, mm-hmm. bon voilà. J'ai travaillé dans des studios des Blancs, je vais le dire pour que les gens comprennent bien. J'ai travaillé dans les studios des Blancs parce que, bon, comme j'avais mon diplôme, donc ça me permettait d'être ingénieur du son. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que vous êtes au moins deux ingénieurs du son et le jour où tu ne travailles pas, c'est pas compté. C'est-à-dire, aujourd'hui, je viens, je fais ma séance de 2 heures, je pars. Deux jours après, je reviens, je fais une séance de 3 heures. Quand on additionne tout ça, ça ne peut pas faire le mois, en fait. Donc, on est obligé, il faut que... Ouais, aussi à côté, voilà, c'est ça. Puis, c'est voilà, ça. Quoi. Pour arrondir les fins du mois. Comme toi, tu as dit, les enfants sont nés après, c'est ça. Il faut gérer. Hein. C'est ça. Si tu as fait les blagues, puis tu es maintenant non, tes propres enfants. Ça, c'est chaud. Hein. C'est super, Max. C'est super. Est-ce que maintenant, ton adaptation, c'est-à-dire que tu as commencé à grossir un peu, tu étais aussi ingénieur de son et tout. Ouais. Maintenant, ton adaptation dans le milieu maintenant de la musique ivoirienne de la diaspora, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que ça a commencé? Parce que les gens savaient que Max, c'est là. Ouais. Mais parce que tu partais, même le son à Abidjan, Paris avec. Ouais. Comment il s'appelle? Serpent Noir et tout ça, là-bas que tu as fait le son. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'en ce moment, tu n'étais pas resté. Mais tu étais là. J'étais déjà là-bas, mais je faisais la navette. D'accord. Donc, étant là-bas, ton nom, tout le monde sait que Max, c'est là. Donc, comment est-ce que les gens vont venir t'approcher pour dire, ah, Max, il faut me faire un son et tout ça? Comment est-ce que ça a commencé? Non, ils viennent. Déjà, même étant
en Suisse. Mm-hmm. Je recevais déjà des coups de fil comme quoi que non, tu viens qu'en France pour faire mon album, tout ça. Donc quand je suis arrivé, j'ai fait quand même quelques boîtes de nuit. Mm-hmm. Et donc les gens m'ont vu, pardon. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on m'appelait pour faire des arrangements. Quoi. Mm-hmm. Donc ça s'est bien passé, bien. Ouais. Donc Max Hero, je cherche la petite bête quelque part mais je ne trouve pas. Est-ce que Max Hero arrivé en France, il n'a pas souffert, il n'a pas galéré? Comme les autres Bengis expliquent, non c'est chaud, c'est compliqué, c'est ceci, c'est ce Max Hero. Non, moi je suis arrivé en 3 mois déjà. En trois mois, j'avais l'argent sur moi, donc 3 mois, ça me suffisait pour bien vivre. Mais en 3 mois déjà, moi j'avais croisé ma femme déjà. D'accord. Tu vois, 7 mois, on va dire, 7 mois sur le territoire, je me suis marié. Ouais. Elle travaillait déjà tout ça. Ouais. Donc, moi j'allais en studio, elle travaillait, on avait chez nous. Donc, j'ai pas, ouais. Franchement, j'ai pas vécu cette galère. Mmh. J'ai pas vécu cette galère. D'accord. Par la grâce de Dieu. D'accord. Mais aujourd'hui, Max, moi j'ai une question pour toi encore. Aujourd'hui, toi tu vis en Europe. Oui. Bientôt tu reviens au pays, tu vas faire tes va-et-vient et tout ça. Mais je suis sûr que tu suis de près le showbiz au niveau de la diaspora. Voilà. Nous, on est ici, on entend que. Excusez-moi, mesdames et messieurs, on entend que y a des tiraillements, les gens se chamaillent, il y a des petits palabres dans le milieu ivoirien et tout ça. Voilà, Didier Alaphane a fait un concert là-bas au Bataclan, bon, et ça n'a pas été ça. Ça prouve en fait que le milieu ivoirien n'est pas solidaire, les gens en parlent et tout. Toi qui es là-bas depuis longtemps, qu'est-ce que tu peux nous donner comme affaire? Bon, déjà, pour commencer, moi, je ne sors pas. Voilà, je ne vais pas trop dans les boîtes. Mais bon, on suit tout sur Facebook. Et puis, quand certaines personnes viennent au studio, chacun raconte ce qu'il a raconté. Moi, le concert du Bataclan, moi, j'étais au studio, je suivais ça sur Facebook en direct. Bon, après, j'étais pas là-bas pour dire qu'il y avait du bon ou pas, mais dans les ondes, il paraît que c'était pas trop ça. Les gens, ils ont boycotté le concert, quoi. D'accord, voilà. D'accord, mais au niveau de la diaspora, tout ce qui se passe, comme tiraillement, les clashs qu'il y a entre les managers connus de là-bas et tout ça, vous n'êtes pas au courant de tout ça? Bon, je m'intéresse pas, franchement, je m'intéresse pas parce que je me dis, d'un premier temps dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Mm-hmm. Ou quand tu sais ce que tu veux, tu travailles en fonction. Et puis, il aura un résultat. Donc, souvent, c'est une histoire de jalousie. Non, je fais tel truc, pourquoi l'autre aussi le fait? Mais c'est comme ça. Donc, quand j'entends ça, moi, je me mêle pas, quoi. Je me dis, bon, voilà. Et puis, il y en a qui se comportent comme, je sais pas, mais la première fois, j'arrive en France, le soir, on m'amène dans un bar. Avant de rentrer dans le bar, dehors, je vois les gens qui sont en train de se bagarrer. J'ai dit, attends, on n'a jamais oublié ce où là. J'ai dit, non, ici, là, c'est comme ça, tu vois. Donc, il y en a qui ont encore ce petit comportement-là, qui n'ont pas encore lâché. Donc, ce qui fait que souvent, tu vois, il y a des petits trucs. Mais bon, moi, je m'intéresse ouais, pas. Pour... Ouais. Mais Max, étant là-bas et nous autres étant ici, moi, j'ai vu certains de tes clips et tout ça. Tu chantes maintenant, Max Hero? Je chantais et puis j'ai stoppé ça pour me comprendre. Nous, on t'a connu en tant qu'arrangeur à succès. Un gars qui touche ton sens, ça prend. Ouais. Max Hero, il chante maintenant. Ouais. On pas. Ça fait partie du parcours. Si tu remarques, David Guetta qui était DJ, au final, il était producteur. Et il chante pas, mais les albums là où vous voyez David Guetta en train de mixer dans des clips là, ça ce sont ses albums à lui ça. Ouais, tu vois, il paye des gens qui viennent, qui chantent. Et c'est pas tout. Il y a Dr. Dre qui est passé il y a longtemps même, il chantait depuis longtemps. Donc ça c'est pour moi c'est pas quelque chose qui est dérangeant parce que ça fait partie du truc. Forcer un arrangeur, s'il a envie, il chante, s'il n'a pas envie, il ne le fait pas. Mm-hmm. Moi, c'était déjà dans mon truc, comme je l'ai dit au départ. Au départ, c'était dans mon truc. Chanter, en fait. Et puis, les artistes m'ont distrait. Donc, maintenant, je me rattrape. D'accord, Maxime. D'accord, mais dis-moi,
La musique que tu fais, toi en tant que chanteur, en tant qu'arrangeur, ça c'est indéniable, tout le monde sait ce que tu es en tant qu'arrangeur. Ouais. Maintenant, en tant que artiste chanteur, est-ce que, selon toi, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Parce qu'on sent que Massero, je ne sais pas si c'est parce que tu te concentres pas tout, tu fais ça juste pour t'amuser, juste parce que tu aimes, tu fais ça par plaisir, mais j'ai l'impression que tu chantes oui, mais tu n'es pas assez concentré. Voilà, je suis pas concentré au fait. C'est parce que toi, tu sens que tu n'es pas trop fort ou bien. C'est parce que tu n'as pas trop envie d'emmerder. En fait, le truc d'abord, tous ceux qui chantent, ils ont un manager, ils ont un producteur, ils ont tout. Ce que je vais t'apprendre, c'est que les clips que tu vois là, c'est moi-même qui les réalise. D'accord. Tu vois, déjà ça c'est compliqué. Tu t'assois, tu écris la chanson, tu vois, tu chantes, tu es toi-même ton ingénieur du son, toi-même l'arrangeur. Au final, je peux te donner la caméra comme ça, et je te dis filme-moi, je vais être comme ça, voilà, voilà. Et encore, je m'assois pour faire le montage, tu vois. Et je ne vais pas encore me mettre là à me manager dans les boîtes de nuit, c'est trop donné. Donc moi, quand je le fais d'un premier temps, c'est parce que peut-être j'ai un petit message ou une petite mélodie, donc je fais ça comme ça. Je me dis, c'est des trucs que je mets en boîte pour l'instant. Le jour que je vais arriver au pays, parce que là-bas, je pense que c'est plus facile pour moi de mieux m'exprimer. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a des managers compétents, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de managers compétents en France, mais ça demande beaucoup de moyens, parce que tu veux voir un manager, il peut te demander 20 millions d'abord, avant de commencer à travailler avec toi. Donc, c'est pas qu'au pays ici, il n'y a pas de managers qui demandent autant, mais je sais qu'il y a des gens compétents qui peuvent s'occuper de cette carrière. Donc, quand je vais revenir, il aura un réalisateur pour les clips, il aura peut-être un manager, même voire un producteur. D'accord. Donc tu ne veux pas laisser chanson, tu veux chanter toujours. C'est pas que je veux pas laisser, je veux chanter toujours, mais ça fait partie de mon boulot. C'est un peu comme quand je suis rentré dans la réalisation des clips, j'ai fait plus de 500 clips. Ah tu bon? Vois, oui, j'ai fait plus de 500 clips là-bas. Ah bon? Là où je suis, là, les gens m'appellent. C'est quoi la signature en tant que réalisateur pour que moi WFSK Prod. WFSK Prod. D'accord. Et donc tous les clips, tu verras WFSK Prod présente ce que Maxero est derrière. D'accord. Soit c'est moi qui ai produit l'album, et au final tu verras réalisation Maxero. Voilà, tu vois ce que je dis. Ouais, je vois. Donc voilà quoi. Toi, Maxero, toi, tout te sourit quoi. Enfin, tu fais arrangement, ça te sourit. Tu fais les clips et tout, ça te sourit. Il n'y a que la musique qui ne te sourit pas parce que toi-même tu ne fais pas en fait. C'est ça. Non, parce que je n'ai pas encore payé. Ouais. Tu sais, les artistes qui sont ici en Côte d'Ivoire, même là en France, là-bas, ils n'ont qu'à chanter. Ils vont être au même niveau que moi. Parce que ce n'est pas le même mode de vie. Ici, là, on ne surveille pas enfant. C'est-à-dire, tu as fait ton enfant, ta copine est là, voilà. Là-bas, il y a une loi qui est là. Ta femme est au travail, tu vas surveiller les enfants si tu n'as rien à faire. Même aller les chercher à l'école. Qui fait ça ici? Personne. Donc, ce n'est pas le même mode de vie. C'est ça. Tout ça, ça prend la tête, en fait. Tout ça, ça prend la tête et puis on n'a pas le temps. Attends, tu dois aller te présenter à l'école par rapport à un truc. Et en même temps, il y a une boîte de nuit qui t'appelle, tu vas aller. Tu vois, il faut bien t'organiser, il y a certaines choses qui te manquent, machin, tout ça. Alors, quand on vient au pays, là, mais c'est facile parce que je peux prendre deux soeurs, trois soeurs là-bas, je dis, bon, surveillez-moi mes enfants, j'arrive, mais je suis parti pour deux, trois mois. Et je vais faire le truc. Donc, c'est pas que ça ne sourit pas. Voilà, c'est pas que ça ne sourit pas. Celui qui dit par exemple, oh, il fait ça, va pas, mais viens, rejoins-moi. Et puis tu feras au moins une année, on va voir si ça va se lever. Je te donne un exemple. Arafat est parti en France, on marchait ensemble parce que quand moi je suis arrivé, c'était le premier gars qui est venu me chercher. On était tout le temps ensemble, mais devant moi, les gens l'appellent pour 65 000 pour aller faire des concerts, et des spectacles dans les boîtes de nuit, ils refusaient. Les gens se foutaient d'Arafat. C'est comme ça que j'ai fait un son Abidjan Paris dont tu parles, là, c'est moi qui ai produit ça. Et malheureusement et heureusement, ils l'ont rapatrié, il est venu en Côte d'Ivoire. Il est resté, il a sorti Congo. Depuis là, Arafat est là, parce qu'il est assis au pays. Mais s'il va là-bas, là, à chaque fois. Il va, il fait un an, on n'est plus entendre parler de lui. Parce que là-bas, les gens, ils aiment nous voter. Quand tu restes sur place, on dit, il est avec nous, avec qui? Le suivant, c'est qui?
Tu vois ce que je dis? Ouais. Donc c'est ça quoi. D'accord, d'accord, ok. C'est cool, c'est cool. Dis-moi, tu as été, comme je dis toujours, tu es l'un des lions, sinon tu es le lion des arrangeurs. Hein? Mais après toi, il y a eu une vague de jeunes arrangeurs tels que Bébé Philippe, Serge Benoît et tout, qui aujourd'hui sont les stars de la musique et tout. Voilà, et après encore, il y a Elvis Second, il y a Eman Djedji, il y a tous ceux qui savent que tu es parfait, tu écoutes un peu, parce que quelque part aussi, tu prends les inspirations un peu. Aujourd'hui, là, quel est ton avis sur le travail que ces arrangeurs-là produisent, surtout dans le milieu du coupé décalé? Quel regard est-ce que tu portes sur le travail? Yeah, c'est bon, c'est bien, on travaille bien. Mmh. Oui, tout le monde travaille bien, franchement, tout le monde travaille bien. Ah bon, tu n'as pas de critiques à faire? Non, déjà, inspiration. Tu ne pas que les petites te manquent de respect dans la rue? Non. Moi, je suis positif dans la tête. Hein. Mmh. Si regardez ça, il y en a. On n'allait même pas se dire bonjour parce qu'il y en a, j'ai eu des contrats pour eux, je suis dans les soirées. On leur dit voilà, Max, faut le saluer, mais dépasse. Mm-hmm. Mais je suis resté positif dans la tête parce que je me dis, ça dépend de qu'est-ce que tu fais de la musique. Voilà, moi je ne suis pas venu à la musique parce que je veux que les gens, c'est-à-dire les gens ont dit, ils veulent des points, machin. Aujourd'hui, on est en train de faire une émission, tu vas voir, c'est des milliers de personnes qui sont en train de découvrir le visage de Max Hero. Alors j'ai eu le temps de faire ma promo, mm-hmm. mais ça ne m'intéresse pas de dire c'est moi, c'est moi, c'est moi, tu vois. Donc ça ne me dit rien de voir ça, quoi. Mm-hmm. S'il y a un petit qui ne travaille pas bien, je lui dirais que bon, voilà, mon cher, ouais. Ça ne me gêne pas. Il y en a qui, depuis que je suis venu, il y en a qui m'envoient des messages sur Facebook. Mm-hmm. Pas ceux que tu as cités, mm-hmm. oui, petit. Oui, d'autres, oui, bien apprends-moi, sûr. Voilà, apprends-moi à mixer, tu as mixé tel son, je veux la même façon dont tu as fait. Et puis bon, voilà, là, nous sommes en train de caler des programmes pour que je démontre un peu peut-être mon savoir. Ouais, c'est la musique, c'est ça. Moi, je me dis, d'un premier temps, on est là pour la même cause. Donc, vaut mieux se donner des coups de main pour qu'on avance, tu vois. C'est ça. Voilà, ça sert à rien. Moi, je ne peux jamais être le seul arrangeur en Côte d'Ivoire parce qu'il y a trop d'argent, il y a trop d'artistes, pardon. Il y a trop de chanteurs. Mm-hmm. Il faut Bébé Philippe pour m'aider. Il faut Serge Benoît, il faut David Terreau, il faut tout le monde. C'est ça. Parce qu'il y a trop de chanteurs. Mais celui qui veut être seul, comment on va l'appeler? Tu ne pourras pas respecter les rendez-vous, il y a trop de chanteurs. Donc moi je suis positif dans la tête, si ce qu'ils font, ça ne me plaît pas, je lui dirai tout à l'heure mon chien que voilà, ça ne me plaît pas. Mais on ne critique pas l'inspiration parce que c'est ce qu'il avait, il a enregistré. C'est vrai, c'est vrai. Alors, mais Massimo, moi je sais que tu as dû apprendre ça dans le temps en parlant des arrangeurs et puis de ce qu'ils donnent comme travail et tout. Ouais. Dans le temps, je sais que tu as dû apprendre parce qu'arrivé au moment, tu t'es beaucoup critiqué. Mmh. Voilà, je sais que tu as dû entendre ça quelque part. Voilà, tu t'es beaucoup critiqué. Tu as dit, Max Hero, il est devenu monotone, c'est toujours les mêmes caisses claires, c'est toujours les mêmes trucs et tout ça, machin. Bon, on te critique beaucoup. À un moment, tu as perdu un peu de ta clientèle parce que bon, tu sais, les gens aussi aiment appeler. Ça, c'est moi, c'est où tu vas. Il va faire la même chose pour te donner et à chaque fois. Comment est-ce que tu as encaissé ça là? Tu as encaissé ça comment? Bon, déjà, j'encaisse ça comme je viens de le dire. Mm-hmm. Il y a des gens qui sont là pour gâter, mm-hmm. il y en a qui sont là pour arranger. En 2006, je pars en France, je reviens en 2008 ou peut-être fin 2007. J'ai eu à faire combien de sons? J'ai fait le son d'Arafat, Dinosaur et quelques-uns. Après, je suis parti. Je suis revenu en 2009, j'ai fait juste quelques mois, je suis reparti. Mm-hmm. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne sais pas c'est à quel moment ils disent non, il a des sons qui se répètent, tu sais. Les gens même ont dit que Max, là, c'est pas lui qui arrange les sons, là. Et les MPT, là, qui fait des locks, là. Remarquez toujours, quand vous venez dans son studio, il fait les prises de voix, il vous dit de partir. Et après, quand vous venez, c'est déjà fait parce que c'est le petit qui est à côté, là. C'est lui qui le fait. T'as entendu ça? Parce que je voulais aussi te poser cette question, ouais. Ezekiel Liboso. Ezekiel Liboso. Uh-huh. Et c'est comme ça, une fois, il y a un manager de... du nom de... Comment il s'appelle, là? J'oublie un peu son nom. Le manager qu'elle a dit, ça dépend. TV3. Un manager de TV3? Ouais, un manager de TV3. Non. Non. J'ai oublié un peu son nom. Je sais que le manager général c'était Charlie Parker, mais je ne sais pas qui il est. Il y avait un autre.
Et lui, chaque fois, il veut bosser avec moi, mais comme il entend ça, dire, mais je vais aller le voir, c'est Petit là, je cherche. Mm-hmm. Max Héroe, c'est pas lui, je cherche Petit. Là. Et une fois à la rue, chez Jagen, il me voit, il dit, j'ai envie de te donner un boulot, là, de Lunacy, mais on me dit, c'est pas toi qui fais les. Non, il n'avait pas dit ça d'abord, il dit, je ne sais pas si tu travailles demain, voilà. Il dit, si, je travaille, il dit, bon, je viens dans ton studio. Il est venu, il était assis. Il dit, non, moi, il veut finir ça aujourd'hui, là, juste pour voir si j'allais commencer ça. Il n'y a pas de souci. Il a appelé TV3 et tous ceux qui pourraient venir. Et puis j'ai fait le son devant lui. C'est là il m'a dit, putain, mais les gens déconnent quoi. On m'a dit que tu n'arranges pas, c'est pas toi que c'est ton petit là qui le fait. J'ai dit, moi, tout ça, ça ne me dit rien. Parce que tu sais sur quoi moi je m'appuie. Je suis chrétien. Jésus est venu, il est mort à la croix. C'est-à-dire qu'il est venu, il n'a rien fait. Les gens l'ont frappé. Pourtant, c'est lui qui multipliait les pains, qui priait pour les gens, il faisait que du bien. Mais ils l'ont quand même torturé. Moi, je suis qui pour que les gens parlent, tout le monde parle bien de moi. Ah, au contraire, une fois, j'étais en train de me plaindre comme ça, je dis, mais pourquoi les gens parlent mal de moi? Ils m'ont quand même laissé tranquille. Mon grand frère dit, mais c'est parce que tu es important. Mm-hmm. Sinon, attends, pourquoi tu ne parles pas du mec qui passe là? On lance pas quand il est mort. Tu t'en fous de lui. Mais quand on parle de toi, c'est parce que tu te déranges, tu es important. Faut t'estimer heureux. Ouais. Donc moi, je te tape l'œil là-dessus. Celui qui veut bosser avec moi, il bosse avec moi. Lui qui ne veut pas, tant mieux. Voilà, c'est comme ça. Voilà, tu es bien dit. Ah, bah, si vous voulez, c'est que c'est la race, c'est la l'esprit qu'on fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Alors, moi, j'ai une autre question pour toi. Tu sais, moi, c'est la question. C'est comme ça. Alors, moi, dis-moi, aujourd'hui, tu es en train de te réinstaller petit à petit au pays. Et oui. À quoi on doit s'attendre? On doit s'attendre à quoi? Qu'est-ce que Max Héroe nous réserve? Bon, déjà, je vais monter une structure de prod. D'accord. Voilà, où je vais produire un peu les artistes. Voilà. D'accord. Former aussi d'autres artistes et d'autres. Des arrangeurs qui veulent, voilà, qui veulent apprendre à mixer, qui veulent apprendre à arranger tout ça. Donc, n'ont qu'à s'attendre à. Avant, c'était juste un studio, on vit, on paye de l'argent, on ne travaille pas. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une structure bien organisée. D'accord. Donc, il y aura des productions, il y aura plein de choses quoi. D'accord, bon, voilà. ça on doit s'attendre. On doit s'attendre. Donc, ça veut dire qu'il y a un matos qui est en route. Là même, je compte même. Tu sais, c'est quoi? C'est. J'ai bien envie de. Qui parle de musique parle de vidéos. D'accord. C'est pour ça toujours l'audio est collé au visuel. D'accord. Donc j'ai bien envie de faire des probes, c'est-à-dire des productions. Prendre des artistes, c'est-à-dire prendre des artistes là, des chanteurs là, et les comment on appelle, les convertir du côté cinéma au fait. Voilà, essayer d'échanger un peu, il faut qu'on touche un peu partout. D'accord, tu vois qu'il a fait la chanson, mais je peux de la chanson, ça doit être comme un film. Voilà, ou soit même demain je viens avec mon matos, il dit Ramzy doit tourner, il doit tourner un film. D'accord. C'est pas chanson, toi t'es policier dans le film, j'envoie mon équipe, les gars ils font ton truc et puis voilà, ça sort. Tu vois, essayer de. Ouais, ça c'est les idées nouvelles. Les idées, voilà. Super. Pas forcément tout le temps, en fait. Oui, tu vois, oui, après, c'est monotone. Ouais. Hein, c'est un moment où il faut essayer de grandir. Moi, c'est comme ça. Ouais. Voilà, hein, c'est un moment où il faut essayer de grandir. Il ne faut pas rester. C'est vrai, si on veut voir, je n'ai pas trop bossé. Je n'ai pas trop bossé en Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître, voilà. J'ai fait un peu de son. Après, je suis allé en voyage. Je suis revenu. J'ai juste fait encore. Ensuite, je suis reparti. Là, je reviens. Il faut que tout change, quoi, tu vois. Mais si tu t'es installé, ça va être grave, parce que quelqu'un qui n'a pas trop duré dans ça, ici en Côte d'Ivoire, mais regarde les tubes que tu as enchaînés. Il aura plein de tubes. Regarde les tubes que tu as enchaînés, ouais. Dinosaur, Arafat, qui encore, Volcano, DJ Rodri, Christina DJ, Ayana Kamora, Abou Dibeng, tout cela. Parce qu'après, quand je suis allé là, j'ai bossé avec plein de gars là-bas. D'accord. Voilà. Plein. Mais dis-moi, les jeunes filles qui étaient avec toi là, au studio, qui chantaient, qui faisaient souvent les voix là, elles sont où aujourd'hui? Ah, les championnes. Oui, elles sont où? Elles sont là? Elles sont là. Il y a une qui est partie en France et puis les deux autres sont là.
D'accord. Alors, moi, aujourd'hui, au niveau de l'échiquier musical ivoirien, voilà, ça dit qu'aujourd'hui, il y a le rap qui est revenu en puissance. Ouais. Il y a la musique trap aussi. Voilà, il y a ce qu'on appelle la trap music. Ouais. Il y a des rappeurs qui posent, voilà, c'est un peu d'une manière, ça tu connais. Voilà, il y a aussi l'afrobeat. Ouais. Dit qu'on s'est accaparé l'afrobeat d'une manière, ouais, on fait ça en ivoirien et tout. Ouais. Est-ce que Max est vraiment capable de faire tout ça? Mais j'ai fait ça déjà. Ah bon? Ouais. Mon fils, il chante. Ah bon? Wilfried Le Lionceau, tu vois, sur YouTube, tu tapes Wilfried Le Lionceau. Lui, il fait du trap. Ouais, la trap. Ouais, il fait de la trap. Voilà, il fait de la trap. Donc, c'est moi qui arrange ses sons, c'est moi qui le produit, qui fait ses clips, tout et tout. Ah. À part ça, il y a des artistes en France aussi qui font de la trap, que j'arrange bien. J'ai fait tout, l'afrobeat, tout. Au fait, c'est parce que je suis en Europe, on n'a pas de mes nouvelles. Mm-hmm. Mais ceux qui sont là-bas savent, ils savent qui je suis. Ouais, ouais, ouais. Quand je vais revenir en 2019, tu verras. Mon sentiment, c'est reconnaissant. Parce que les gens diront après, oh, le vieux là, il va venir de quoi ici encore. On a les Tamsi, on a les comment ils appellent déjà, Charlie Kamikaze, voilà, on a le Mr. B qui sont là. Masero, il va. Mais pourquoi ici. Ça dérange? Tu sais, les gens, c'est ça, les gens. Pourquoi ça dérange? On dit, oh, il est vieux, il n'a pas quitté là. Non, la personne quittée. Ce que je vais expliquer dans ce truc-là, c'est que les gens doivent comprendre que la musique, c'est un métier. Donc, tant que tu n'es pas retraité, tu n'as pas l'âge de la retraite, tu es libre de travailler. Donc, il n'y a pas de retraite. Docteur Dre, c'est notre grand-père, si on veut voir. Bien sûr. Mais il rappe, il chante, il a sorti ses castres, je ne sais pas en quelle année là. Pourquoi il va pas, il est là. Je le vois souvent, il est sur la scène avec ses 50 cents. Il y a beaucoup de choses qu'ils font. Les gens s'éclatent, ils sont en train de travailler. C'est pas une mode, on dit le pantalon, il est sorti, il est vieux dans la boutique, faut que je tombe pas un autre. Non. Tout le monde travaille. Au fait, quand tu aimes la musique, tu es quelqu'un qui aime beaucoup suivre les autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu apprécies, mais tu ne dis pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu ne vas jamais évoluer si tu es comme ça. Moi, j'écoute tout le monde, même le petit arrangeur, il fait un son, il m'envoie, je l'écoute. Parce qu'il y a un truc que moi, je n'ai pas. J'ai un truc que lui, il n'en a pas. Mais comment il a fait ça? Ça rajoute encore des trucs sur ma connaissance. Que tu dis, non, il ne faut pas que Max Hero il rentre. Non, mais tu ne vas rien apprendre. Laisse-le venir. Mmh. Il a fait des années en Europe, il revient. Il faut dire, qu'est-ce qu'il va nous montrer, ce gars-là? Parce que, qu'est-ce qu'il a appris, après tout, le coupé décalé que tu fais, là, il a fait des trucs qui t'ont inspiré. Tu n'as pas envie de bien parler. Il faut dire ce que tu veux dire. Tu ne peux pas parler, Max Hero. Il a fait des coupé décalé que tu fais, là. Il a fait des sons qui t'ont tué. Qui t'ont inspiré. Tu m'arrêtes ça, Marcelo. Il y avait un truc qui t'a inspiré. Oui, oui. Donc, si tu es malin, moi, franchement, si ce serait témoin, je reste tranquille et puis je laisse le mec travailler. Ouais. Peut-être qu'il va ramener des choses qui vont encore m'inspirer. Quand on aime la musique, on ne dit pas non, mais lui, il est vieux, quoi. Lui, il est vieux. Franchement, moi, j'écoute tout. Si tu remarques, les gens disent Max Hero, champion tout terrain. Mm-hmm. Tu vas me mettre sur n'importe quelle piste, moi je décolle. Ouais. Voilà, parce que j'apprécie la. Pourquoi j'ai su que tu avais sorti un truc avec Eskeli? Il y a des gens, tu vas leur demander, ils sont à Bignan, ils ne sauront même pas que ouais. Moi je tape tous les noms sur YouTube, je peux me prendre 2 heures, 3 heures, même 4 nuits, je suis assis devant mon ordinateur, je mets tous les noms possibles, coupé, décalé, Côte d'Ivoire, Afrobeat, Côte d'Ivoire, et puis j'écoute. Mm-hmm. C'est tout ça qui fait l'inspiration, ça. Donc, faut pas rester fermé. Non, moi je suis pas fermé. Ouais. J'écoute tout le monde. Tous ceux qui sortent des sons ici, je les écoute, je les dis ça aujourd'hui. D'accord. Voilà. Que ça soit bon, ça a marché, ça n'a pas marché, je vous écoute. Massiro dit qu'il vous écoute. Il vous écoute tous. Alors, Massiro, j'ai une dernière question pour toi avant que notre entretien ne finisse. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on n'entend plus de collaboration avec Massiro et Didier Arafat, par exemple? Parce que lui, vous avez beaucoup travaillé ensemble, tu as fait beaucoup de sons pour lui et tout. Et pourquoi aujourd'hui, là, tu ne travailles plus avec Didier Arafat? Arafat et moi, nous ne sommes pas en guerre, au fait. Il y a juste un petit truc qui fait qu'on ne bosse pas ensemble. Mm-hmm. Arafat, il est professionnel. Moi, pareil. Mais quand Arafat vient dans mon studio qui veut travailler, par exemple, il vient aujourd'hui. Mm-hmm. Il faut tout finir aujourd'hui, c'est-à-dire finir sa chanson aujourd'hui. Ce soir-là, ça doit jouer en boîte.
Moi, je ne travaille pas comme ça. Donc, avant, tu travaillais comme ça, là. Non, avant, je ne travaillais pas comme ça. J'ai toujours eu un petit souci avec les gens. Au fait, eux, ils veulent finir en même temps. La musique, c'est une carrière. C'est-à-dire que moi, c'est ma carrière musicale, voilà. Et puis, je ne veux pas me limiter à Port-Boué. Voilà, je ne veux pas me limiter à Comancy. Je veux me limiter, si tu veux, je vais prendre le monde entier. Ça fait bizarre, mais c'est ça la vie. Il faut être ambitieux. Donc, si quand tu veux évoluer, prends ton temps. Pour moi, l'artiste, il finit de chanter, tu écoutes la chanson et tu l'arranges doucement. Donc, ce qui fait que lui et moi, on ne travaille pas ensemble, c'est que quand il vient aujourd'hui, il veut son son, il veut le sortir en même temps. Et moi, je peux pas le faire, donc ça l'arrange pas aussi parce que c'est quelqu'un qui a sa vision, voilà, faut que ça soit suivi, si ça, c'est, ça se fait pas, bon, il préfère aller faire ça lui-même ou voir quelqu'un d'autre, quoi. Donc voilà les raisons pour lesquelles lui, moi, on bosse pas. Ah, d'accord, ouais. Voilà, tu as bien dit, mais les autres que tu as fait, les sons et tout ça, pourquoi ils sont plus revenus vers toi pour faire d'autres sons et tout, pourquoi? Bon, les artistes, ils sont toujours comme ça, hein. C'est-à-dire que tu travailles avec un artiste et il émerge aujourd'hui. Si demain il attend le nom d'un arrangeur, il va là-bas. Moi, il y a des artistes qui sont venus chez moi quand j'ai fait des sons qui marchaient dans le temps quand j'étais là. Et je leur ai dit, mais pourquoi tu viens me voir? Tu as bossé avec David Terreau, reste avec David Terreau. Pourquoi tu viens? Il te connaît bien, il a mieux fait ton truc. Pourquoi tu... Le gars dit non, que son inspiration est partie vers moi. Mais je fais aussi ce que je peux et puis je te donne. Donc, ils sont tous comme ça. D'accord. Si je te fais un son qui marche, il y a un autre qui bosse peut-être avec Elvis Segond, il n'y a pas d'histoire, mais du fait que je t'ai fait un son qui marche, il laisse Elvis Segond, il vient bosser avec Max Hero, en croyant que bon, c'est là que le miracle va se passer, quoi. Ah, d'accord, c'est ça qui fait que les artistes, ils les voient de l'autre côté, ils sont là, ils se baladent, ils cherchent un coin pour toi. Ils se baladent, c'est la vérité, ils se baladent. Faut pas s'embrouiller. Ouais, mais j'ai l'impression que toi, tu n'aimes pas trop ce genre d'attitude là. Tu préfères que le gars il reste avec un arrangeur qui lui fait des sons, ça va. De Bordeaux est venu me voir dans mon studio à Paris. De Bordeaux, quelquefois, il y avait des jeunes qui avaient besoin de lui pour un featuring. Quand il a fini, on causait, puis il lui a dit, tu veux que je te donne un conseil? Il dit oui, il dit reste un baby. Pardon. Si tu veux avancer là, reste toujours avec Baby, parce qu'il te connaît mieux. Ce que tu fais là, tu vas aller voir un autre arrangeur, peut-être il ne va pas mieux te comprendre. Alors Baby, il te comprend bien, donc reste. Mais il était étonné que je lui dise ça, il dit, mais moi, je ne suis pas dans les histoires, de ne veux pas aller chez lui là. Va chez Baby, travaille chez lui. Tu vois, donc c'est ça quoi. Ils sont. Bon, je ne dis pas que c'est ce qu'ils voulaient faire. Moi, je tenais à lui dire ça. Voilà. Je tenais à lui dire ça parce que chaque fois qu'il sort des sons avec Baby, je trouve ça bien. Donc, vaut mieux lui donner ce conseil quand il n'a pas encore changé. De toute façon, on ne sait jamais quoi. Jamais, ouais. Ouais. Tu les connais trop? Je les connais. Max Hero, héros champion, tout terrain. Toujours à Fafa. Nous étions avec le Lion des arrangeurs. Même si le Lion n'a écrit, il ne peut jamais devenir chat. Encore moins Diakoumani, comme on dit, hein. Voilà, c'est mon parent. Bon, donc, Max Hero est là, il est venu, on a fait l'émission et tout, l'émission Fafa. Rendez-vous la semaine prochaine, même en tête, vous voyez, vous avez Canal 209, on est ensemble, c'est le dernier. Vous avez William Sankaro derrière la caméra, ainsi que Soko. En post-production, vous avez celui qu'on appelle Denis et Roland Lebe qui s'est réalisé cette émission. On est ensemble, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui bénit toujours le jour et nuit. D'ailleurs, quand on est. Avant ça, je fais une grande dédicace à celui-là même qu'on appelle M. Kiki Benzeli, le milliardaire. Tchamopi comme famille. On est ensemble, toujours très très fort. C'est le dernier.